Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Veuillez vous asseoir. Bonjour à tous. Bonjour Père évêque. Je le confesse, j'ai longuement hésité entre la préséance et la bienséance. Car nous accueillons pour la première fois ici, dans cette belle église de Saint-Côme et d'Amiens, les patrons de notre cité, notre évêque et les sœurs Clarisse qui nous viennent de Bastia pour s'y installer. Mais après moult réflexions, et avec l'espoir que l'Esprit Saint qui descendit sur notre Seigneur le Christ le jour de son baptême dans le Jourdain ait daigné m'inspirer, j'ai opté pour la bienséance et je débuterai donc par les dames. J'ai récité aussi quelques prières en formulant le vœu que le Père évêque qui préside cet office ne me tienne pas rigueur de cette entorse au protocole. Ma mère, mes sœurs, vous ne saurez mesurer la joie qui m'étreint à l'instant où je prononce ces quelques mots à votre intention. Notre couvent, auquel les Sartonaises et les Sartonais sont viscéralement attachés, grâce à vous, mais également grâce à l'action rapide et efficace du Père Jean-Yves Coeroli, le vicaire général, ne demeurera pas fermé. De surcroît, et je veux bien y voir un premier signe, ce lieu de vie où j'ai commencé mes gammes de servant d'hôtel sera animé par des franciscaines. La tradition de Saint François se poursuit, se perpétue, et j'en suis ravi. En rencontrant l'abbesse Claire François, voici quelques semaines, j'ai rencontré un sourire, un visage heureux, heureux de me voir, heureux d'être là, malgré les cartons qui peuplaient les couloirs et les ouvriers qui s'activaient. J'ai naturellement pensé, pardonnez-moi cette trivialité, elle est sympa l'abbesse. Et puis, une autre sœur est apparue, même sourire, même joie de vivre. Plus tard, j'ai rencontré le reste de la communauté et j'ai observé la même attitude. Ce sourire, ce regard, te disent spontanément et sans aucun a priori « je t'aime ». C'est l'application immédiate et sans retenue du commandement nouveau que le Christ a donné aux apôtres la veille de sa crucifixion. Celui de s'aimer les uns les autres, comme d'ailleurs il nous a aimés. Aimer l'autre, tous les autres, saint François ne s'est pas contenté de le dire et de le répéter. Il l'a fait jusqu'à son dernier souffle et, je le concède, ce n'est pas sans une certaine fierté que je porte le prénom de ce grand saint. D'autant que je partage ce privilège avec l'évêque de Corse et celui de Rome. Cet amour spontané et sincère, je l'ai toujours ressenti de la part des moines appartenant à l'ordre des frères mineurs qui ont fréquenté ce lieu, qu'il soit flamand ou mexicain. Il est présent chez les sœurs de l'ordre de Sainte-Claire qui ont aujourd'hui pris possession de ce couvent. C'est sans doute ce que chacun d'entre nous vient rechercher ici. De l'amour, de l'écoute, de la compassion, un bien-être intérieur.
Je ne connais rien de plus propice à la méditation, la contemplation et la prière que cet endroit à Sartène. Alors, merci Mère Claire François, merci mes sœurs d'avoir accepté de perpétuer la présence et la tradition d'Il Peut Aretto à Sartène et de nous apporter paix et bien. Père évêque, d'aucuns me reprocheront de ne pas employer une expression plus classique ou conventionnelle pour m'adresser à vous, plus respectueuse. À mes yeux, et j'espère que vous n'en prendrez pas ombrage, je trouve cette appellation bien plus belle et bien plus différente que celle de Monseigneur, surtout qu'il y a le terme « Père » dedans. En substance, elle me paraît parfaitement vous correspondre. En tous les cas, c'est le sentiment profond que j'ai éprouvé en vous écoutant le jour de votre ordination à laquelle j'ai eu l'honneur et l'avantage d'assister. Je n'ai pas vu un prélat un peu distant, voire réservé, mais un berger déjà proche de ses brebis, attentif et à l'écoute. Les quelques mots que vous avez bien voulu prononcer, dont une partie dans un corse parfait, en constituent un témoignage. J'ai dit parfait sans forfanterie aucune, car les accents toniques étaient bien placés, et il faut louer ici les qualités pédagogiques de votre professeur. Lorsque nous apprîmes votre nomination, nous y vîmes un signe, encore un. Les frères mexicains nous quittaient le 13 juin dans la matinée et vous étiez ordonné le même jour en début d'après-midi. Un franciscain remplaçait d'autres franciscains. Certes, vous appartenez à l'ordre des frères mineurs conventuels, mais c'est la même source, la même inspiration, la même origine. En nous envoyant un franciscain pour compenser le départ d'autres franciscains, notre pape François a été, mais qui en doute à Sartène, bien inspiré et il nous a comblés. Les Corses, que l'on dit ombrageux, possèdent aussi quelques qualités. Ils sont attentifs et par transitivité, je le suis moi aussi. Je vous ai donc bien écouté sur YouTube et dans cette belle cathédrale Santa Maria Assunta, vous avez eu des paroles fortes sur notre peuple en général, sur ses traditions, ses pratiques et ses coutumes. Et évidemment, vous n'avez pas manqué d'évoquer des confréries en particulier. Votre approche s'inscrit dans nos attentes, les miennes quoi qu'il en soit. Par ailleurs, votre vision, c'est une église dans l'action, une église ouverte, une église à l'écoute. Alors en route, car l'église de Corse, c'est vous, père évêque, ce sont les prêtres et les diacres, mais ce sont aussi les fidèles. L'église de Corse, c'est nous tous réunis et nous nous devons d'être à vos côtés. Avant d'achever mon propos, m'autoriserez-vous une requête, père évêque? Certes oui, car vous êtes à l'écoute. Vous le savez, le Vendredi Saint se déroule nuitamment dans notre bonne ville de Sartène, une procession paraliturgique, en fait un chemin de croix que l'on appelle ici le catinage. C'est une cérémonie unique qui attire de nombreux pèlerins et à laquelle nous sommes très, très attachés. Vous la rehausseriez par votre présence le vendredi 15 avril 2022 à 21h30. J'en termine, père évêque, en vous disant bienvenue en terre franciscaine, chez vous donc, et paz y bien. Monseigneur François Xavier, évêque de Corse, père Cuérole, vicaire général, le père Frédéric Constant, notre père Pierre Berton, tous nos pères, nos sœurs, sœur Françoise Marie, sœur Marianne, Thérèse, vicaire, sœur Monique, sœur Marie-Paul, sœur Marie-Philippe, sœur Marie-Théodore, sœur Claire Myriam, monsieur le maire, madame Evelyne Gallonne, qui représente ici le président de l'exécutif, Gilles Siméon, mesdames et messieurs,
Nous voilà aujourd'hui, mercredi 15 septembre 2021, réunis dans la tradition franciscaine qui prit naissance en 1630 à Sartène avec l'idée de la nécessité de construire un couvent à Sartène. Nous y fêtons ce jour deux événements marquants de notre vie religieuse. La présence de Mgr François-Xavier Butilot, nouvel évêque de Corse, père franciscain, et l'installation des sœurs Clarisse de Bastia au couvent Saint-Côme et Saint-Damien. Notre association, Saint-Côme et Damien, et les populations de Sartène et de l'Alta Rocca se réjouissent de cette continuité franciscaine à laquelle elles sont très attachées. Le départ programmé des pères mexicains, auxquels nous rendons hommage pour leur qualité humaine, leur implication et leur dévouement, nous ont laissés orphelins. Le jour même de leur départ, l'installation de notre nouvel évêque, Ajaccio, suivie de la nomination de notre père, Pierre Bertone, à la paroisse de Sartène, nous a redonné confiance et espoir. Comment interpréter cela? Sûrement pas par un effet de hasard. Cette cérémonie d'installation nous comble de bonheur, car elle fut pour nous le présage d'une volonté qui nous dépasse de bâtir à Sartène une vie ecclésiale solide à travers l'enseignement de Saint François, humilité, partage, amour de Dieu et celui de Sainte Claire, symbolisé par les trois nœuds de la corde que portent nos sœurs autour de la taille, représentant pauvreté, humilité et obéissance. L'église des Saint-Côme et Damien est de nouveau ouverte au public avec des messes journalières qui assureront la continuité du sacré, nous permettant de suivre la voie que le Seigneur nous enseigna à travers ses préceptes et l'image que nous renvoie Saint François, Sainte Claire ainsi que les sœurs Clarisse, sachant que nous pouvons compter sur leurs prières et leur présence bienveillante. À notre tour de les assurer de notre soutien indéfectible et sincère. L'association Saint-Côme et Damien souhaite à Monseigneur l'évêque beaucoup de bonheur dans sa mission apostolique en Corse et aux sœurs Clarisse de trouver la sérénité, la paix du cœur, l'harmonie et la joie dans leur nouveau couvent. L'association a déjà pris la mesure du bonheur que leur présence parmi nous nous apporte, une véritable bénédiction divine, et nous les en remercions vivement. Bonne et sainte poursuite votre mission à Sartène, mes sœurs. L'association tient également à remercier tous ceux et celles qui ont contribué au déménagement et à l'installation des sœurs, Clarisse au couvent Saint-Côme et Damien, le père Bertone, les confrères de Sartène, de l'Alta Rocca et de Bastia. Au nom de toutes mes sœurs ici présentes, je remercie chaleureusement chacune des personnes qui se sont exprimées. Je remercie notre évêque, Mgr Bustillo, qui préside cette célébration, Monsieur le maire de Sartène, Madame la représentante de la collectivité, les représentants des autorités civiles, Madame Bosse, qui est le représentant de l'association Saint-Côme et Saint-Damien,
qui nous accueillent dans ce couvent franciscain. Les représentants des confréries de Sartène, et vous tous les Sartenais qui nous accueillent en ce jour béni, dédié à Notre-Dame. Merci à tous les bénévoles qui nous ont aidés et continuent à nous aider dans notre transfert depuis Bastia jusqu'à Sartène. Avec vous, nous allons continuer dans ce lieu notre mission de prière et de louange sur les traces de notre Mère Sainte-Claire. Le chemin commencé à Bastia, où des générations de sœurs se sont succédées pendant 170 ans, sous l'impulsion de Mère Marie-Thérèse d'Avera, qui est native de cette terre de Sartène, va se poursuivre ici, à Sartène, comme un retour aux sources pour nous. Que la Vierge bénie nous accompagne tous et intercède pour notre diocèse, afin que refleurissent les vocations religieuses et sacerdotales dans notre Église de Corse. Merci à tous. Merci beaucoup pour votre accueil. Quelle joie, mes sœurs, de vous voir ici, dans ce lieu. Vous allez donner une âme à ce couvent, à cette ville. Vous allez plutôt continuer à donner une âme à ce couvent et à cette ville. Merci pour votre disponibilité. Il est important pour nous, en Corse, d'avoir la vie contemplative, de vous avoir, de savoir que des sœurs prient pour nous et nous portent à la prière. Vous êtes entourés des confrères, les confrères ils sont là, du maire, de l'association, de la ville de Sartène, des prêtres qui sont dans le secteur, du doyen. Nous sommes rassemblés autour du Seigneur pour vous accompagner, pour vous bénir, pour votre présence et pour vous demander aussi la prière, la vie contemplative maintient la prière dans l'Église. Et nous avons besoin, nous, nos familles, nos responsables, nos associations, les confréries, les prêtres, les diacres, nous avons besoin de votre prière. Alors, au début de cette célébration, nous nous levons pour nous mettre en présence du Seigneur. Et avant d'écouter la parole de Dieu, avant de recevoir le corps du Christ, préparons-nous intérieurement. Reconnaissons que nous sommes pécheurs, c'est-à-dire que nous avons besoin d'une visitation de la part du Seigneur pour être guéris, pour être touchés, pour être pardonnés. Implorons la miséricorde de notre Dieu. Thank you.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que la mère de ton Fils, debout près de la croix, fût associée à ses souffrances. Accorde à ton Église de s'unir elle aussi à la passion du Christ, afin d'avoir part à sa résurrection. Lui qui règne pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance et conduit à sa perfection. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Le répond, sauve-moi, mon Dieu, dans ton amour. Sauve-moi, mon Dieu, dans ton
je suis sûr de toi, Seigneur. Je dis, tu es mon Dieu. Mes jours sont dans ta main, délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent. Sauve-moi. Comble la face du monde, ceux qui ont en toi leur refuge. Sauve-moi, mon Dieu, dans ton Seigneur soit avec vous. Et avec Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, Marie, femme de Cléophas, avec la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Nous sommes rassemblés autour de l'autel du Seigneur, dans l'église, pour accueillir nos sœurs Clarisse, pour donner une continuité à la présence franciscaine dans ce lieu, en cette ville. Il s'agit de moments heureux, et on le fait le jour de Notre-Dame de Douleur, une fête de la Vierge Marie, une belle fête qui nous encourage à la solidité, à tenir. Nous avons écouté le beau texte de saint Jean, court mais intense. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus
n'est pas seul. Lors de ce moment douloureux, le plus douloureux de son passage sur notre terre, il n'est pas seul. Marie, sa mère, elle est là. Et les autres femmes sont là. Jean est là. Vous le savez, je l'ai dit souvent, notre peur ancestrale est la peur de l'abandon, du rejet, d'être seul face au danger. Eh bien, Jésus, au moment de la mort, n'est pas seul. Ces femmes courageuses sont là, à côté de lui. Il y a ce terme qui me semble important d'un point de vue humain et spirituel. Près de la croix de Jésus, se tenir. Se tenir, se maintenir. Et surtout lors des moments douloureux et difficiles. Savoir qu'on n'est pas seul. Savoir qu'il y a toujours quelqu'un qui nous aime. Et qui nous aime jusqu'au bout. Marie était une mère. On peut imaginer la douleur d'une mère qui perd son fils unique. La douleur d'une mère qui voit son fils souffrir injustement, être torturé injustement, être tué injustement. Et Marie, elle est là, au pied de la croix. Nous pouvons voir et nous pouvons imaginer, et son attitude nous encourage, la solidité de Marie, debout au pied de la croix. Nous vivons dans une société où souvent nous voyons des douleurs, des difficultés, des tensions, des crispations. Et face aux difficultés, on s'éloigne, on prend les distances, on démissionne. La Marie se tient au pied de la croix. Elle ne démissionnait pas, elle ne s'éloignait pas, elle tient jusqu'au bout. Elle est là. Sa présence rassure Jésus et les autres. La douleur qu'elle porte en elle-même lui donne aussi une solidité. N'oublions pas que Marie est la femme qui méditait tout dans son cœur. Elle méditait, et cette méditation, tout le long de sa vie, lui a donné la force intérieure. C'est pour ça qu'elle a cette capacité d'être là, au pied de la croix. Il y a un aspect aussi qui me semble important pour notre méditation. Jésus voit sa mère. Et Jésus commence, ou plutôt institue, une famille nouvelle. Vous avez entendu ces paroles. Il dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Et il dit à Jean, le disciple, « Voici ta mère. » Jésus, de la croix, institue une famille nouvelle. Cette famille a des liens de sang, mais c'est le sang de la croix. Voici ta mère, voici ton fils. Rappelez-vous notre passage de l'Évangile. Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Ceux qui écoutent la parole de Dieu, ceux qui font la volonté du Père. Jésus, par son ministère, par le don de sa vie jusqu'à la croix, instaure une vie nouvelle, des familles nouvelles, une famille nouvelle, la famille chrétienne. Et cette famille grandit, se constitue, se renforce grâce au sang du Christ. Jésus a tout donné sous la croix. Il a donné sa vie, son souffle, il a tout donné. Et par ce don total, il a fait naître une nouvelle famille. Et cette famille continue. Cette famille, c'est nous, aujourd'hui. Nous le savons, et moi je suis particulièrement sensible, dans notre église de Corse, il y a des traditions solides. Les traditions se perpétuent. Il y a une continuité dans cette église. Il y a des racines solides, profondes.
nos sœurs Clarisse, sont là pour nous dire « Nous voulons prier pour vous. Nous voulons donner une continuité à cette présence, à cette continuité. » Les Clarisses, par tradition, ont une âme et nous rappellent que l'âme de notre Église, la vie contemplative, doit continuer sa mission. Mes sœurs, vous l'avez entendu, vous avez été très bien accueillies. Il y a du monde. Je suis sûr que vous allez être portées, transportées par cette ville, par cette région, par notre diocèse. Je disais tout à l'heure, nous avons besoin de vous, de votre vie contemplative, de votre régularité dans la prière. Continuez à prier pour nous. Dans l'Évangile, on met en valeur la compassion. Marie, elle ne peut pas faire grand-chose, mais elle est là, pleine de compassion. Les autres femmes sont là, pleines de compassion. Jean est là, plein de compassion. Notre société a besoin de compassion. La compassion est une manière de vivre l'amour, de donner une visibilité à l'amour, une crédibilité à l'amour. Je suis sûr que beaucoup de personnes qui sont ici viendront vers vous pour vous dire, mes sœurs, priez pour moi, priez pour ma mère, mon père, mon fils, ma fille, priez pour une situation qui a besoin de la grâce de Dieu. Des croix, on en voit et on en verra. Nous portons tous des croix. Mais il est important de savoir que quand nous traversons la croix, les croix de la vie, des personnes nous soutiennent, des personnes prient pour nous. Et la prière, vous le savez très bien, je parle à des contemplatives, la prière n'est pas dire des formules par cœur et sans cœur. La prière, c'est une manière d'aimer. Ne l'oublions pas. Parfois, on réduit la prière à des actes un peu semi-magiques, à des formules. La prière, pour nous chrétiens, pour vous contemplatives, mais pour nous baptisés, la prière, ce moment où nous vivons la communion avec notre Dieu. Un instant d'amour, de communion avec notre Dieu. Et Dieu sait si nous avons besoin de moments de communion avec notre Dieu. Alors, vous êtes une nouvelle famille à certaines. Vous avez écouté, nous avons écouté la parole de Jésus. Cette famille doit donner une continuité au charisme franciscain, clarien. Votre présence, elle est simple, elle est discrète. Les Clarisses sont dans un monastère, dans un couvent, et elles prient pour les autres. Mais vous, mes amis, vous avez un curé qui sera installé bientôt, vous avez les confréries, des associations. Vous, mes amis, n'hésitez pas. Vivez des mouvements vers vos sœurs Clarisses. Faites-les vivre. N'hésitez pas à leur demander de prier pour vous. C'est leur vocation, leur mission. Elles ne sont pas beaucoup, mais leur mission est d'intercéder pour vous, pour un peuple, pour une ville, pour un diocèse, pour l'Église. Intercéder, créer des ponts. Jésus, nous l'avons fêté hier, la croix glorieuse. Jésus est planté, si j'ose dire, sous la croix pour faire un pont entre la terre et le ciel. Et il reste à jamais celui qui intercède, le pontife, le pont entre la terre et le ciel. Entre notre vie humaine, blessée, fatiguée, imparfaite, et la perfection divine. La croix est ce lieu magnifique, où Jésus lui donne un sens symbolique. On dépasse l'instrument de torture pour voir dans la croix le lieu où nous pouvons trouver ces valeurs que Jésus nous a communiquées. Sous la croix, Jésus
pardonne. Pardonnez-leur, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Sous la croix, Jésus est pacifique. Il ne se plaint pas. Il ne condamnait pas ses ennemis. Il vit ce qu'il avait dit. Aimez vos ennemis. Jésus le dit et le vit. Alors, mes sœurs, je vous invite à continuer votre mission. Quelle bénédiction pour nous de vous garder dans le diocèse. De Bastia à certaines, mais vous êtes toujours là pour prier pour notre église de Corse. Pour nous inviter aussi à espérer. Quand on prie, on espère. Quand on prie, on nourrit la vie intérieure. On fortifie la vie intérieure. Et nous qui sommes débordés tous, souvent débordés par la vie active que nous menons, nous avons besoin de savoir que quelque part, dans notre diocèse, à certains, des sœurs prient pour nous. Nous sommes actifs, vous êtes contemplatives, mais nous les actifs, nous avons besoin de la vie contemplative. Et vous les contemplatives, vous avez besoin de savoir que la mission continue, que l'action continue. Alors vivons cette belle articulation entre la vie contemplative. Demandons au Seigneur de nous donner la force. Nous avons entendu la conclusion de l'Évangile. Une fois que Jésus a parlé, pour bâtir une nouvelle famille, on nous dit, à partir de ce moment-là, le disciple l'a pris chez lui. Jean prend Marie chez lui. La maison de Jean s'ouvre à Marie, alors que cette maison, cette église, soit accueillante, que vous puissiez, vous aussi, accueillir Marie, celle qui méditait tout dans son cœur, celle qui était solide jusqu'au bout, celle qui était au pied de la croix. Et quand nous aurons des croix et des douleurs, nous saurons que nous pouvons venir ici pour trouver le réconfort, la foi, l'espérance, la compassion. Amen.
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de ton nom, Dieu de miséricorde, accepte les prières et les offrandes que nous te présentons à l'honneur de la Sainte Vierge Marie. Puisque tu as voulu qu'elle devienne notre mère, quand elle se tenait près de la croix de Jésus, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous célébrons Notre-Dame des douleurs, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier. Car Marie a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvri de son ombre. Et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne des louanges, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes les choses. Par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela
en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons la mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et rempli de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, Sainte Claire, Saint François d'Assise, Saint Côme, Saint Damien, les apôtres, les martyrs et tous les saints, qui ne cesse d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François et notre évêque François, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Sur la croix, Jésus a créé une famille nouvelle. Combien de fois il nous l'a dit dans l'Évangile, que nous sommes tous des frères. Et pourtant, la fraternité n'est pas évidente. Il est important que nous puissions trouver en Dieu, dans son esprit, la capacité de donner un visage à la fraternité, pour que nous soyons vraiment des frères et des sœurs, capables de s'aimer, de se pardonner. Alors avec confiance, prions avec les paroles que Jésus nous a enseigné. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église.
pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Prions. Après avoir reçu le sacrement de l'éternelle rédemption, nous te supplions humblement, Seigneur, en nous rappelant la compassion de la Vierge Marie, puissions-nous accomplir en nous pour l'Église ce qui reste encore à souffrir des épreuves du Christ, lui qui règne pour les siècles des siècles. Et d'abord, je vous dis encore un grand merci pour votre accueil, pour votre présence. Vous êtes nombreux. Je vous confie les sœurs. Je vous les confie. Elles font partie d'une famille. Cette famille va au-delà de murs, de ce couvent. Elles veulent faire partie de votre ville, de votre vie, de vos passions, à leur manière. Ils ne vont pas sortir, ou pas trop en tout cas. Mais à leur manière, elles vont être là pour être la partie priante de cette famille, la dimension contemplative de cette ville et de notre diocèse. Donc je vous les confie. Il est important que vous puissiez les aimer à la manière des chrétiens, par la qualité de la présence, par la proximité, par la simplicité. Et à vous, mes sœurs, je vous confie cette ville et je vous confie notre diocèse. Continuez à prier, vous qui êtes là et celles qui vont arriver. Continuez à prier pour nous, pour la fécondité de notre vie, de notre mission, de nos vocations. Nous vivons une belle complémentarité entre ce que vous êtes, ce que nous faisons et ce que nous vivons. Alors je vous donne maintenant la bénédiction pour que le Seigneur vous accompagne, qu'il soit votre force et votre joie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.